La Fondation de France a ouvert un programme prison en 2013 dont l'objectif est de favoriser la réinsertion des personnes détenues. Donc depuis 6 ans maintenant, nous soutenons des initiatives qui permettent aux personnes qui sortent de détention ou aux personnes qui sont condamnées en milieu extérieur de pouvoir se réinsérer dans la société. Pour nous, la réinsertion passe forcément par un accompagnement très individualisé de la personne, en coordination avec l'ensemble des acteurs de la réinsertion. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte aussi bien son hébergement, sa réinsertion professionnelle, ses relations avec ses proches, avec sa famille, mais aussi les problématiques de santé qui sont nombreuses en détention, notamment les addictions ou les problèmes psychiatriques qu'on peut rencontrer. Donc une réinsertion passe par un accompagnement très global. Et sans cet accompagnement global, on sait que la réinsertion va être difficile. Les chiffres sont assez clairs, on sait que 60% des personnes qui ne sont pas accompagnées, donc qui sortent en sortie sèche, retournent en détention. Et c'est ce qu'on veut essayer d'éviter pour la personne et pour la société. Le programme Prison de la Fondation de France donc, soutient des initiatives d'associations qui accompagnent des personnes condamnées, mais souhaite aussi faire changer de regard la société et soutient des initiatives qui sont aussi bien culturelles, des pièces de théâtre, des films, des choses qui permettent aussi de faire évoluer l'image que les gens peuvent avoir des détenus pour pouvoir participer eux aussi, pour que la société participe elle aussi à la réinsertion des personnes.